Alors, bienvenue dans cette première vidéo consacrée à la différence entre nos langages Kotlin et Swift. On va se diriger vers IntelliJ IDE où nous allons créer un nouveau projet. Créer un nouveau projet Kotlin comme d'habitude avec la JVM Next. Et puis, on va nommer le projet Kotlin vs Swift. Swift. Un espace là. Et puis, Finish. Patientons notre dossier qui est créé là. On va patienter ensemble. Notre interface qui s'apparaît. Fermé. Voilà. Et puis sans tarder, on va se diriger vers notre dossier SSC. En patientant qu'il se charge, notre projet se charge complètement. On va se diriger dans notre dossier SSC où nous allons créer un nouveau fichier Kotlin. On va dire calculatrice. Calculatrice. OK. Dans notre fichier, nous allons commencer par faire un commentaire pour expliquer la logique de notre application. On va utiliser non, les commentaires sur plusieurs lignes. Slash, étoile, étoile, slash. Et puis à l'intérieur, nous allons expliquer la logique de notre application. Premièrement, qu'est-ce que nous aurons à faire? Nous aurons à récupérer un premier nombre qui sera la première valeur saisie par l'utilisateur pour effectuer le calcul. Après avoir récupéré le premier nombre, nous aurons à récupérer l'opérateur pour effectuer notre opération. On va récupérer l'opérateur. Troisièmement, nous aurons à récupérer le deuxième nombre avec lequel on va faire notre calcul. Donc, récupérer un deuxième nombre. Ensuite, nous aurons à vérifier l'opérateur puisque l'utilisateur est capable d'entrer n'importe quelle valeur au clavier. Par exemple, un nombre, une lettre ou bien un opérateur qui n'est pas valide. Donc, on va dire vérifier l'opérateur. Et enfin, nous aurons à effectuer l'opération et afficher le résultat. Voilà ce qu'on aura fait dans notre algorithme. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer par notre fonction main. Je vais supprimer cet espace. Donc, la fonction main qui est bien sûr le point de départ de notre programme. Font main axe 2 points. Array, on va lui passer string et puis nos accolades ouvrantes et fermantes. Bam. À l'intérieur, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons commencer par, vous voyez notre point de départ. Nous allons commencer par récupérer le premier nombre. Autant pour moi, récupérer le premier nombre. Donc, nous allons créer une constante avec le mot-clé val nombre 1. Val nombre 1. Égale readLine et double point d'exclamation pour les null pointer exception et puis on va le convertir en float. Ensuite, la deuxième étape est de récupérer l'opérateur. Donc on va dire val opérateur égale readLine et double point d'exclamation. Et ici, on n'a pas besoin de le convertir en string. En troisième position, nous allons récupérer le nombre 2 pour effectuer le résultat, l'opération. Nous allons dire readLine, double point d'exclamation, tout. On va convertir en float. On va convertir en float. On va d'abord lancer notre programme pour voir comment ça va se comporter. Chantons ensemble. Les avertissements non voyables n'ont pas été utilisés. Et puis là, on a notre programme qui s'affiche, tout blanc. Si on saisit un nombre, on tape entrée, un deuxième nombre, puis un troisième nombre. Le programme est fini, mais on ne sait pas exactement ce qu'on a entré. Donc nous aurons ici une étape à ajouter qui serait de étoile, qui serait de faire un message, des messages
pour indiquer ce qu'il faut entrer. Qu'il faut entrer. Donc, nous allons faire un magnifique message là de bienvenue dans notre application d'abord avec la fonction println, comme vous savez le faire. println, on va passer notre message. On va dire par exemple bienvenue. Bienvenue dans Super Calculatrice. On va appeler notre programme comme ça. Et puis, on va essayer de copier ceci et coller également là. Une autre fois, coller pour afficher. Donc ici, je vais mettre un long trait. Je vais essayer de faire un trait pour la présentation. Un long trait pour souligner le nom de notre application. Et plus bas, je vais prendre ce message pour demander à l'utilisateur d'entrer un premier nombre. Également, il aura à entrer l'opérateur, puis entrer un autre deuxième nombre qu'on va utiliser pour faire notre opération. On va remplacer ça par. On va remplacer ici par deuxième. Ici, entrer un opérateur valide. Il faut que notre message soit clair pour lui dire, pour que l'utilisateur n'ait pas à entrer n'importe quoi dans notre clavier. Donc, on va lui dire plus, multiplier, moins, diviser des virgules pour lui indiquer. Là, l'opérateur sait, l'utilisateur, pardon, sait exactement ce qu'il doit saisir dans notre clavier. Donc, on va lancer le programme pour voir comment ça se comporte. Patienter, on devrait plus tarder. Nos avertissements, nos voyants n'ont pas été utilisés une fois de plus. On voit là ce magnifique interface. Premier nombre 45, opérateur 45, et ensuite deuxième nombre 45. On voit le programme est terminé, mais on n'a pas eu d'erreur. C'est pas normal. Il nous faut maintenant vérifier l'opérateur, puisque 45 n'est pas un opérateur. Il faut vérifier à présent l'opérateur. On va appeler ici l'utilisation du when. Ici vient en jeu l'utilisation du when et on va faire le when sur l'opérateur, notre opérateur qu'on a récupéré. Nous allons analyser les différents cas, les accolades, ouvrant, fermant. Et puis le premier cas, si l'opérateur saisi par l'utilisateur est étoile, on aura à faire quelque chose. On va afficher quelque chose. Copier ceci pour les autres cas. On aura 4 cas parce qu'on prend en charge 4 opérateurs ici. L'addition, la multiplication, la soustraction et la division. Donc, on va les remplacer respectivement. Et puis, à chaque fois, on va faire quelque chose. On va faire plutôt l'utilisation à un println pour chacun des cas. Donc, on va dire dollar. Donc, on a l'étape d'effectuer l'opération et afficher le résultat. Donc, on va effectuer directement cela à l'intérieur de notre println. On va dire dollar nombre 1 fois multiplié par l'opérateur qu'on utilise ici, dollar nombre 2 est égal à dollar, l'utilisation des string templates. On ouvre des doubles accolades et puis on effectue l'opération à l'intérieur. Nombre 1 multiplié par nombre 2, tout simplement. Pour les autres cas, on va faire ce qui correspond en fonction de l'opérateur. Donc, on va copier ce message, le remplir dans tous les autres cas. Et puis, on va remplacer par l'opérateur qui correspond à chaque fois. Tout simplement. Là, vous comprenez la logique de notre opération, de notre algorithme. On est en train de switcher, n'est-ce pas, sur l'opérateur. Et puis, on vérifie ses valeurs. Donc, une fois ceci fait, on va lancer notre programme pour voir comment il va se comporter. Patientez. Bienvenue dans Super. Premier nombre, l'opérateur, on va choisir celui-ci.
Et là, on a le résultat affiché normalement. Tout s'est bien passé. Donc, on a utilisé le float ici. On va relancer une deuxième fois et puis on va essayer d'entrer un opérateur non valide, un chiffre. Donc, qu'est-ce qu'on aura? L'algorithme se termine maintenant. Il ne nous affiche pas ce que nous avons besoin comme résultat. Donc, on va prendre cela en charge en affichant le cas par défaut. Default. Non. Ici, c'est else. Donc, si aucun des opérateurs n'est saisi par l'utilisateur, on aurait à lui afficher un message. Non, pas celui-ci. On aura à lui afficher ce message à nouveau pour lui demander d'entrer un opérateur valide. Entrer un opérateur valide. Et on va compléter en disant et réessayer. Tout simplement. Donc, en lançant notre programme, ceci devrait fonctionner merveilleusement. On va lancer à nouveau. Et puis, si l'utilisateur entre 5, il entre un opérateur non valide, le deuxième nombre, et puis on lui dit entrer un opérateur valide et réessayer. Tout a bien fonctionné. Donc, voilà comment notre algorithme a été conçu. Maintenant, nous allons nous diriger vers Xcode pour créer notre projet en Swift. Donc, nous allons copier tout ce code. On va le copier. Et puis se diriger vers Xcode. Nous allons créer un projet Mac OS en command line next, le nom du projet, et puis entrer. Je vais le stocker là sur mon bureau. Également entrer notre fichier main.swift. Je vais effacer ce print et je vais coller notre code Kotlin. Vous l'aurez deviné, on a un tas d'erreurs, un tas. Des tonnes d'erreurs. Nous allons commencer par les régler l'une après l'autre. Donc, en commençant par les prints, Swift lui qui n'accepte plus les println depuis la version 2. On va les remplacer par des prints tout simplement. Nous avons également les constantes qui ne se déclarent plus de cette façon-ci, qui ne se déclarent pas de cette façon. On va utiliser les let. Les constantes se déclarent en Swift avec le mot-clé let. On va modifier partout. Let. Et là, pour convertir, on se rend compte que pour convertir en float ce nombre, on ne le fait pas de cette façon en Swift. Donc, on va effacer ceci. Et puis, au début, on va dire float. Ne vous inquiétez pas, bien sûr, nous aurons à corriger les erreurs l'une après l'autre. Donc, je compte aller pas à pas. Donc, je vais ouvrir là une parenthèse, une autre parenthèse fermante. Et ici également, je vais prendre un float. Ici, je vais le convertir plutôt en string. L'opérateur était en string. Donc, on nous dit là, on nous affiche une erreur. Donc, on va utiliser un seul point d'exclamation cette fois-ci. Ensuite, également là et là. Donc, pour convertir également en string, l'opérateur doit être en string ici là. On a oublié. L'opérateur doit être en string. Donc, nous allons prendre ça et on va dire string, ouvrir des parenthèses. Et passer notre valeur. Donc, l'opérateur ici sera considéré comme un string désormais. Ici également, a besoin d'être un float. On va seulement copier ce code et le coller là. Donc, à présent, tout est parfait pour le haut. Nous allons commenter tout ceci. Le when. Swift n'utilise pas celui-ci. Swift utilise à la place plutôt un switch. Donc, on va faire un switch sur notre opérateur pour commencer. Je vais aller pas à pas et puis nous aurons à corriger les erreurs au fur et à mesure. Donc, je vais ouvrir les accolades. Hop. Et puis là, on va switcher sur l'opérateur pour vérifier les différents cas. Premier case, on va commencer par notre étoile. Deux points. Fait telle chose. Donc, on va lui donner ce qu'il aura affiché si l'opérateur est étoile. On va commencer par faire un peu le têtu, copier ce code et le placer là. Je suis sûr que tout comme moi, vous entendez à des erreurs. Donc là, on nous affiche que on ne peut pas utiliser celui-ci. Donc on va dire if let opérateur final égale opérateur. En tant qu'opérateur, on va faire ceci. Donc on vérifie d'abord si la valeur saisie peut être considérée comme un string. N'est pas vide.
donne également là, donc c'est l'opérateur final qu'on doit passer ici, cet opérateur final, on doit le passer au switch plutôt. Parce qu'avec le if let, on est sûr que la variable contient une valeur. Je vais copier ceci, le coller plusieurs fois et modifier les opérateurs. Et le cas par défaut, ici, on va lui dire afficher ce gentil message, copier juste en bas, afficher le gentil message pour lui dire entrer un opérateur valide dans le cas par défaut. Dans les string templates, comment ils fonctionnent? Ils fonctionnent avec un backslash, des parenthèses. On n'utilise pas le dollar comme en Kotlin. Parenthèse. Ici également, backslash, parenthèse. À l'intérieur, on effectue l'opération. On va le faire pour tous les cas. Tous les autres cas. Et le point d'exclamation, n'est-ce pas? Pour assumer qu'on a une valeur saisie. Pour l'ensemble des cas, je vais copier. Et je vais coller là. Pour tous les autres cas. Donc, à présent, voilà notre algorithme terminé. Nous allons lancer le programme pour voir comment il va se comporter. Ici, je le fais en appuyant commande run. Donc, on va patienter que le programme s'ouvre dans notre console avec notre joli message. Donc, on va dire premier nombre, on va entrer des valeurs normales. On a l'opération qui est parfaitement effectuée. Donc là, ça, c'est une preuve concrète que notre algorithme fonctionne correctement. Je vais essayer de réduire cette fenêtre pour qu'on puisse voir une différence entre les deux codes Kotlin et Swift. Alors, je vais réduire là et ouvrir le code de Kotlin. Donc ici, nous avons un string template qui utilise le dollar. Par contre, ici, on utilise un backslash pour le faire. Également, là, on utilise les doubles points d'exclamation. Ici, on utilise un seul. Ou les null pointer exception. Le println chez Swift n'a pas besoin de ln. Le print s'utilise simplement. Le when ici là est remplacé par le switch chez. L'opérateur n'a pas eu besoin d'être vérifié ici là. Or ici c'était pas le cas. On avait besoin de le vérifier d'abord qu'il y a une valeur entrée avant de pouvoir switcher dessus. Et le case qui est remplacé simplement par cette flèche. En Kotlin, tout simplement, remplacé par cette flèche case. Donc, vous voyez là que c'est un peu plus long ici là. Donc, je vais effacer les lignes vides pour qu'on puisse comparer également la taille de nos algorithmes. Ici, nous avons exactement 17 lignes de code. En effectuant exactement le même travail sur notre code Swift, on se retrouve avec 18 lignes de code. Voilà ce que j'avais à vous présenter dans cette vidéo entre le switch et le when de ces deux langages. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram pour notre actualité. D'ici à là, faites beaucoup de recherches et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.